Salut à tous, c'est Unmil. Avant que cette vidéo commence, si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce matin, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur Fortnite, j'ai créé un aéroport avec la team, c'était vraiment pas mal avec le nouveau mode. Donc n'hésitez pas à aller voir, et aujourd'hui les gars, on est sur GTA pour le nouveau DLC, le DLC Noël, qui est enfin sorti. On est actuellement le 18, enfin le DLC est sorti hier, donc là vous regardez cette vidéo maintenant, vous mercredi. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a eu dans ce DLC. Il y a des nouvelles tenues, il y a des nouvelles choses. Pour l'instant, il n'a pas encore la neige comme nous pouvons le voir. Je pense que la neige, bah, comme chaque année, elle arrivera le 23. Et je sais que vous avez été nombreux à me dire, oui, Unmin, la neige, tu feras des jeux avec la neige. C'est en cours, bien évidemment, la salle et tout. On est en cours de jeu avec la team pour voir ce qu'on va vous proposer, etc. En tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et 2019, bientôt, les gars, 2019. En tout cas, voilà, c'est parti. On va aller voir les tenues déjà qu'on a. Je me suis pas spoil. Et c'est parti. Donc, déjà, alors, qu'est-ce qu'on a comme tenue pour commencer? Alors. Bien évidemment, vous allez ici. Après, vous avez. Bon, alors, tenue festive. Voilà, tenue festive. On a le pyjama. Pyjama, le petit lutin. La tenue de la salle pour ceux qui connaissent. Le gâteau, bon ça c'est les tenues basiques, pas de nouveautés encore pour le moment. Ensuite, tenue du Père Noël. Ouais, je vais mettre celle-là, allez, pourquoi pas. Ensuite, on a les nouveautés, je crois qu'attendez, les nouveautés, voilà, c'est ici, tenue combinaison. On a des nouveautés, on a des nouvelles choses, et ça, ça fait plaisir de la part de Rockstar. Ensuite, bien évidemment, on ira voir les masques, puisqu'il y a des nouveaux masques aussi, et on a aussi également des nouveaux vêtements. On va aller voir ça tranquillement. Alors, déjà, au niveau des combinaisons, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, ici. Alors, déjà, bon, ça, c'est celle de l'année dernière. Alors, attendez, ça commence ici, voilà. Celle de l'année dernière, donc, c'était celle-ci, 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 pour ceux qui se souviennent. Donc, ça, c'était l'année dernière. Ouais. Ensuite, cette année, ah, voilà, disponible dans Festive 2018. Ah, bah, voilà. Donc, cette année, on a celle-ci. Ah ouais, celle-ci est vraiment pas mal aussi. Magnifique, la guirlande. La reine verte. La guirlande verte. Ok, on a 4 combinaisons. Donc on a la combinaison reine rouge, combinaison guirlande jaune, combinaison reine verte et combinaison... Du coup, combinaison guirlande verte, lumineuse. J'aime vraiment bien, c'est vraiment sympa. Bon, après, moi, je vais rester sur le petit Père Noël, là. Vraiment sympa aussi. Et on va aller voir. Attendez, juste faire un truc, c'est... Non, c'est bien comme ça. C'est bien. Allez, comme ça, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau des pantalons. Donc, on a les pantalons de guerre. Donc, ça, c'était dans le DLC. Ah, voilà. Pantalon festif. Pantalon festif. Qu'est-ce qu'on a? On a, du coup, le petit caleçon de Père Noël. Le pantalon du Père Noël. Ouais. Est-ce qu'on a des nouveautés? Il me semble qu'on n'a pas de nouveautés au niveau des pantalons. On va aller voir au niveau des t-shirts. Est-ce qu'on a des nouveautés au niveau des t-shirts? Ouais, j'espère. Alors, au niveau des hauts. Hauts d'arène de guerre, ça ne concerne pas. Ensuite, hauts festifs. Ah, attendez, j'ai vu une étoile. Donc, à mon avis, il y a des nouveaux trucs. Alors, déjà, on a le t-shirt de bonhomme de neige, le t-shirt elf, le t-shirt du Père Noël. Donc, ça... On reste sur du basique. Hein. Ensuite, au niveau des pulls. Pull 2017. Donc, vous avez bien. Donc, ça, c'est les pulls qu'on avait déjà. Voilà, je vous montre. Hein, mais bon, ça, c'est le même que ceux de l'année dernière. Mais je montre quand même pour ceux qui n'avaient pas vu ceux de l'année dernière. Voilà, au niveau des pulls. Hop. Ensuite, au niveau des vestes. On a la veste du Père Noël. On a la veste de l'elfe. Au niveau des pyjamas, on a pyjama festif. Ouais, vraiment pas mal. Ceux-là, j'aimais bien. Les pyjamas, honnêtement, ils sont pas mal. J'avais mis celui-là pour ceux qui se souviennent, flocon de neige. Bon, après, on en a des pas mal, le petit pingouin, etc. Donc ça, c'est ceux de 2015 quand même. Ça fait qu'on est en 2018, les gars. Ensuite, haut festif, attention. Haut festif, ah non, non, en fait, haut spéciaux. C'est les hauts que j'ai pas encore débloqué. Donc ça, c'est les trucs de vos données, etc. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres choses, peut-être? Attention, est-ce qu'on a d'autres choses? Eh bien, écoutez... Apparemment pas d'autres choses. On va aller voir peut-être au niveau des chaussures. Est-ce qu'on a des chaussures festives? Normalement, il me semble qu'il y a des chaussures festives. Je suis pas sûr à 100%. Ça, c'est arène de guerre, chaussures chic. Il me semble que non. Il me semble qu'on n'a pas de chaussures. Je crois que c'est compris avec les tenues quand on achète les tenues. En tout cas, voilà. Moi, j'ai mis ma petite tenue de Père Noël.
Ensuite, au niveau des lunettes, on n'a rien d'autre. Accessoires, on n'a rien. Ah, peut-être ici au niveau des accessoires et tout. On a peut-être des bonnets festifs. Ah, voilà, chapeau festif. Ah, ça fait plaisir. On a des choses. Alors, on a. Oh, c'est pas mal ça, j'aime vraiment bien. Ah, oh, le petit chapeau aussi de elfe, pas mal pour ceux qui se souviennent de l'année dernière. Avec les grosses oreilles. Vraiment pas mal. Ici, on a le truc étoile, ouais, bien aussi. Donc, ça c'était 2015. Bon, après, bon, ça on connaît déjà. Les petits bonnets, etc. Est-ce qu'on a déjà du coup des trucs de cette année? Il me semble que non. Donc, ça c'est le bonnet. Bon, ça c'est basique. Hein, c'était l'année dernière. Il me semble que c'est bon. On a fait un peu le tour au niveau des chapeaux, etc. Donc, du coup, maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour au magasin de masques pour voir ce qu'on a. Alors, club de Mota. Je sais qu'à chaque fois dans les commentaires, vous kiffez commenter le nom du club de motards que j'ai mis. Ah merde, non, j'aurais pas dû commander cette moto. Hop, on va commander. Ah bah j'ai pas l'oppressor. Ok, donc du coup faut que j'appelle juste 2 minutes. J'appelle la mutuelle Morse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du DLC Noël. Bon, honnêtement, franchement, je vais pas vous mentir, moi. Bah voilà, faut être honnête dans la vie. Honnêtement, voilà, l'oppresseur est là. Hop, on va recommander du coup maintenant. Honnêtement, franchement, de la part de Rockstar, je m'attendais à un petit peu mieux. Ils nous ont mis juste deux petites tenues, rien de spécial. J'aurais pas. Moi, personnellement, tu vois, c'est le DLC Noël. Enfin, j'aurais fait un. Je sais qu'il y a un. Bon, je vous spoil pas, mais il y a un véhicule qui va arriver spécial Noël. Bon, déjà, ça, c'est pas mal de la part de Rockstar, parce que bon. Nous, on sait un peu ce qui va arriver, etc. Voilà, on sait en avance. Du coup, je sais qu'il y a un nouveau véhicule qui arrive qui est beau. Mais bon, enfin, je veux dire, ça fait quand même maintenant. Enfin, en 2018, ça fait quand même maintenant plus de 5 ans. Du coup, enfin, ce qui serait bien de la part de Rockstar, ce serait. Enfin, je sais pas moi, d'avoir des motoneiges, enfin, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas moi, hein, des trucs stylés. Bon, après, malheureusement. On n'est pas sur Red Dead, mais genre du snowboard, du ski, etc. C'est pas possible parce que bon, on va dire que la map de GTA ne fait pas en sorte qu'on puisse avoir ça. Parce que, à part le Mont Chiliad, on a vraiment pas de très nombreuses montagnes. À part si bon, ils nous font un DLC et ils sortent New York Canton, là, New York Canton, je sais pas comment ça se prononce. Et là, bon, on fait du ski, on peut faire des choses comme ça, du snowboard. Bon, de la part de Rockstar, je sais pas parce que là, ils sont sur Red Dead, etc. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, ils ont quand même mis des nouveautés, ils ont quand même mis des nouvelles tenues, ils ont quand même mis des nouvelles combinaisons, etc. Donc c'est déjà, ils pensent un petit peu à nous. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, c'est parti. Alors, au niveau des nouvelles tenues. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Krampus, odieux, terrifiant. Donc ça, c'est les mêmes choses que l'année dernière. Pain d'épices, le truc joyeux. Ouais, la mama de Noël. La mama. Ça c'est stylé ça. Le lutin. Bon, le lutin, ça c'est le kiff d'Eden. Ça, Eden il kiffe le lutin. Il mettait toujours celui-ci là. Je sais plus c'est lequel qui mettait des trois, mais toujours celui-ci. La mère Noël. La dinde aussi vraiment stylée. Et il me semble qu'on n'a pas d'autres nouveautés. Bon, ça c'est les trucs basiques. Le Père Noël. Pain d'épices. On a vraiment. Ouais, on a. Franchement, au niveau des nouveautés, il n'y a rien, pas grand chose non plus. Ah. On a quand même le Père Noël. On a le petit Père Noël blanc. Hop, voilà. Je vais mettre le petit Père Noël blanc. Parce que je l'aime bien. Lui, je le trouve stylé. Celui-là, je le trouve stylé. Hop. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Je vais voir au niveau des chapeaux, peut-être. Qu'on avait. Bon, on les a déjà vus, les chapeaux. Écoutez, il me semble qu'on a fait un peu le tour. Ça c'est quoi? Ça c'est les hauts spéciaux. Est-ce qu'on a des hauts spéciaux? Non, donc hauts festifs. Bon, bah voilà, bon, on reste sur du basique et encore une fois. Ouais, bon, voilà. Ça c'est les trucs qu'on avait déjà, quoi. Ouais. Ok, et eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ça c'est les trucs qu'on avait déjà. Je vais quand même mettre un petit truc histoire de rendre bien la tenue. Qui peut aller bien avec ça. Bon, j'ai bon pour ça que je vais mettre. Oh, le petit pingouin, j'aime bien, mais bon, ça va pas trop avec le masque. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, après, on a les vestes, hein, etc. On peut avoir aussi également ça. T-shirt. Non.
Écoutez, il y a vraiment rien qui m'inspire. Je pense que je vais aller au magasin et mettre la tenue, vous savez, la tenue du Père Noël. Attendez, on va aller voir au magasin. Bon, voilà. Un peu dommage, franchement, de la part de Rockstar. On aurait quand même dû avoir quand même des petits masques, des nouveautés. Waouh, je sais pas comment dire. On aurait eu quand même des petites nouveautés du style des nouveaux masques, un peu comme on a eu, genre les gros burgers, les tacos, etc. pour ceux qui ont vu sur la chaîne de la salle. C'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment kiffé avoir des nouveaux masques de Père Noël ou je sais pas moi. Ils nous mettent des grosses têtes de bonhomme de neige, enfin des trucs stylés quoi. Alors attendez. Je vais voir ce que je vais mettre. Tenue. Alors, tenue festive, c'est où? Ah voilà, tenue du Père Noël. Ah mais on peut pas mettre le... Hop. Style, accessoire. Ouais, faut aller au truc, je pense. Faut aller au truc. Voilà, un peu ma tenue, comment ça va être la petite tenue de Père Noël actuellement qu'on a. La petite tenue vraiment stylée et... Attendez, hop, je vais juste remonter en haut. Voilà. Et du coup, effectivement, bah voilà. Après, bon, après, je pense qu'ils sont focus sur Red Dead. Ils nous ont juste mis. Bah, au niveau des nouveautés cette année, honnêtement, il y a juste 4 combinaisons. Juste ça, quoi. Au niveau des nouveautés par rapport aux autres années, on a juste 4 nouveautés. Et on a aussi un nouveau véhicule, mais le nouveau véhicule que vous ne savez pas c'est lequel. Moi, je sais c'est lequel déjà. Mais qui arrivera du coup bientôt, que la salle vous présentera. Voilà, du coup je vais mettre ça comme tenue. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, je pense qu'on a la tenue complète. Après, bon, bah, ça vous le savez tous, hein, bah, je vais vous montrer quand même. On a également le petit sapin qui se trouve en ville, au centre-ville. Bon, ça reste du basique. Bah, comme d'habitude, quoi, ils nous mettent au grand centre, le grand Père Noël géant. Alors, attendez, bon. Il me semble que c'est par là, à peu près, ouais, c'est par là. Ça va être à gauche, hein, si je m'en souviens bien. En tout cas, non, franchement. Après, bon, le problème, c'est que, comme j'ai dit, pardon. Attendez. Ah, voilà, c'est là, c'est là. Ah, bah voilà, donc là, c'est le petit sapin qu'on a tous les ans. Le petit sapin qui a toujours pas changé. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce nouveau DLC. Et voilà, en tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez la vidéo, c'était le DLC Noël, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui est sortie ce matin, n'hésitez pas à aller voir à fond les gars, c'est tout pour cette vidéo.